Une amie me demande de fabriquer un appareil qui lui signale automatiquement que sa tondeuse autonome est en panne. Sur un ton sûr, je lui dis OK. Je me dis aussi que c'est une bonne occasion de vous parler de ces projets électroniques à fabriquer soi-même. Un top 5 de réalisations dingues vous attend également en fin de vidéo. Suivez-moi sans résistance, je vous prie. Avant l'arrivée d'Internet, j'ai commencé en 1994 et c'était encore basique, il fallait aller voir dans les revues d'électronique pour y trouver des projets à réaliser. On était parfois de la revue si on ne trouvait rien. Aujourd'hui, grâce à Arduino et sa documentation disponible en ligne, il y a moyen de réaliser de belles choses assez facilement et pour un prix raisonnable. Les cartes Arduino ou assimilées sont des circuits imprimés sur lesquels on va en général trouver un microcontrôleur, le cerveau du système si vous voulez. Les cartes seront plus ou moins complexes et pourront avoir, par exemple, des composants Wi-Fi ou pardon, Bluetooth. On pourra les brancher sur son PC. Des cartes additionnelles avec détecteur de mouvement ou de lumière, avec relais, etc., pourront y être branchés. L'ensemble pourra commander d'autres éléments externes comme des servomoteurs ou cerveaux. Il existe des cerveaux rapides, mais aussi des cerveaux-volants. Le programme qui va gérer le tout sera poussé du PC vers le microcontrôleur qui fera alors ce qu'on lui demande. À la base, Arduino a été inventé pour être une aide dans les écoles. Un relais entre l'électronique et les élèves, en quelque sorte. Il a été commercialisé en 2005 de manière à ce que son utilisation puisse évoluer facilement et être mis à la disposition du plus grand nombre. Tout le monde est autorisé, sous certaines conditions, à fabriquer des cartes compatibles. Le logiciel est également gratuit. Pour illustrer tout ça, je vais vous montrer 5 projets un peu fous qui ont été réalisés au moyen de cette technologie. Parfois, avec l'utilisation d'une imprimante 3D, à d'autres moments, avec de la débrouille pure. Pour la dernière place de mon top 5, j'ai choisi un appareil qui résout le Rubik's Cube. L'utilisateur doit d'abord encoder les couleurs des différentes faces et ensuite le Rubik's Cube est manipulé jusqu'à ce que toutes les faces soient de couleur uniforme. Complexité au cube, si je puis m'exprimer ainsi. En quatrième place, un appareil qui dessine des formes géométriques sur des œufs durs. Je me demande si son inventeur est un chef coq. En troisième position, une machine à plier les fils de fer. J'aurais aimé voir la fabrication d'une attache trombone. Ici, on a largement dépassé le fil à couper le beurre. Pour la médaille d'argent, une horloge à marqueur non permanent. L'heure est inscrite, puis directement effacée. J'adore. Cela m'a marqué. Et enfin, la médaille d'or va, suspense, à un appareil de tri par couleur des M&M. La classe. Complètement inutile, mais tellement beau. Smart, oserais-je dire. Je ne m'en lasse pas. Voilà, c'en est terminé avec cette vidéo. Vous trouverez dans le chapeau les liens vers le hit parade des projets et dans les commentaires de la documentation dont je me suis inspiré pour réaliser cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air, voire même à vous abonner.